Eh bien, bonjour à tous, c'est Chris Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de l'huilerie française sur Farming Simulator 22. Alors, la dernière fois, on avait fini de semer, on avait vendu un peu d'huile. Et depuis, ben, j'ai passé quelques mois et on est arrivé au moment de la récolte. Donc, on va prendre notre moissonneuse et aller commencer à récolter notre soja. Notre soja, notre colza, pardon. C'est du colza, c'est pas du soja. Parce que l'huile de soja, je sais pas ce que ça donne. Alors, vous n'avez pas eu d'épisode de partir de la carrière partir de zéro depuis un petit moment. Parce qu'en fait, j'arrive pas. J'ai pas le temps de faire les deux. Donc, je pense que on va continuer cette carrière-là sur YouTube. Et la carrière partir de zéro commencera sur Twitch très bientôt. On va la passer sur Twitch. Ça sera plus simple pour moi parce que j'arrive pas à là. Il y a tellement de off à faire en fait dans les deux, que matériellement j'ai pas le temps. Il faudrait des journées plus longues et c'est pas possible. Surtout que je continue aussi à tourner la carrière F1 à côté, donc. Et que j'aimerais bien aussi faire d'autres jeux en plus. Donc si je me fais deux séries farming complètes sur YouTube, ça passera pas. On a fait le retourner celui-là. Donc de toute façon vous serez tenu au courant hein, quand la carrière commencera sur Twitch pour ceux qui veulent venir la suivre. Le lien de la scène le lien de la chaîne Twitch est dans la description et dans mon profil YouTube. Vous la trouverez facilement. Et si on fait des lives, ce sera uniquement le soir. Parce que la journée, là, on va approcher des vacances, donc j'aurai les enfants toute la journée. Donc faire des lives avec les enfants, ça va pas être pratique. Donc là, c'est pareil, les vidéos vont un peu diminuer du coup, parce que, bah, pareil, pour tourner avec les enfants, bah, c'est pas possible. Comme j'ai pas de pièces de tournage à proprement parler, je tourne dans mon salon, donc. Si j'ai des enfants qui se ramènent en plein milieu d'une vidéo, ça va pas être terrible. Donc par contre, on va continuer quand même celle-là sur YouTube. On va essayer de faire fructifier notre petite ferme. Je sais pas ce que ça va donner. Vous l'avez vu l'autre fois, j'ai fait un essai avec. En vendant les deux palettes d'huile, normalement, on devrait arriver à être rentable. Assez vite, du moins je l'espère. Et si c'est le cas, ben tant mieux, hein. Après, voilà, dès qu'on sera rentable, j'interdirai tout ce qui est mission et crédit. Pour l'instant, de toute façon, j'ai pas fait de mission encore. Parce que pour l'instant, j'en ai pas eu besoin. L'émission, ce sera vraiment si un jour j'ai un gros manque financier. Là, on va se contenter de faire ça. De faire nos récoltes, nos semis. Et puis après, bien sûr, il faudra diversifier l'affaire. Donc là, on a les trois champs à récolter. Ils ont été fertilisés à 100%. Normalement, il n'y a plus de mauvaises herbes. À part peut-être une ou deux dans un champ ou deux. Parce que bah, quand je suis passé avec la sarcleuse, j'ai fait quelques oublis. Il y a deux, trois brins d'herbe que j'ai pas vus, donc qui ont continué à pousser. Mais ça ne devrait pas trop jouer sur le rendement du coup. Là pour l'instant ça donne un rendement qui est pour le moment pas vilain. Bon, on va être près à 2500 litres en faisant le tour du champ. Sachant que celui-là c'est le champ le plus petit. Là, quoique peut-être c'est le 40 le plus petit en fait. Je sais pas, j'ai un doute. Voilà, donc 2700 litres en faisant le contour du champ. Donc
Donc ça veut dire qu'on a quand même un rendement qui est pas dégueulasse. Donc ça c'est plutôt bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser avec un petit accéléré le temps de finir la récolte. Et on se retrouvera après pour faire le bilan de ce que ça nous a rapporté. A tout de suite!
Yeah, yeah. Yeah. Shawty loves it, yeah. Loves that I'm a dog. They don't want it, yeah. They scared of what I know. Told you the budget, yeah. I gotta get my own. Shout out my bros. This right here deserves a toast, yeah. A lot of people back home on my back and they know. Bien, donc on se retrouve, comme vous voyez, on va avoir fini notre dernier chant de colza. Entre temps, j'ai lancé, comme vous l'avez vu dans l'accéléré, l'ouvrier pour commencer à passer le broyeur sur le chant 38, et là il est dans le chant 41. Et puis après on fera un petit point sur ce que nous a rapporté toute cette récolte. Pour ma part, j'ai l'impression que le rendement est pas dégueulasse. Alors après, j'ai vraiment respecté scrupuleusement toutes les étapes du rendement. D'ailleurs, j'ai vraiment passé toutes les étapes. La fertilisation était à 100%, il n'y avait aucune mauvaise herbe. J'avais même passé les rouleaux. Alors par contre, les rouleaux... bien ça. Par contre, les rouleaux, j'ai pas trop compris à quoi ça sert. Je sais pas si ça apporte vraiment quelque chose. Donc je vais faire un test là, cette fois. Sans le passer, pour voir s'il y a vraiment une différence de rendement énorme. Parce que je sais pas si ça apporte du rendement en plus, ou si ça empêche juste... si ça abîme juste moins le semoir de préparer le lit de semence, j'en sais rien. Parce qu'en fait, ça dit rien de spécial sur ces rouleaux. Ça dit juste que ça prépare le lit de semence, et du coup, bah... Je me dis que forcément, ça use moins le semoir, mais si d'un autre côté, j'use le tracteur et les rouleaux, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? Je sais pas. Donc, on va essayer 100 cette fois-ci, on verra bien, on verra s'il y a une différence, on va regarder combien ça nous a rapporté au total, là, on verra si ça vaut le coup ou pas de passer ces rouleaux. Parce que malgré tout, les rouleaux, ça prend du temps, et après, quand je sème, moi, par-dessus, je vois pas vraiment ce que je fais, parce que la texture est à peu près la même qu'avec le semoir. Donc, c'est pas évident. Je revérifierai quand même après, derrière, ce que ça dit sur les rouleaux, mais il me semble bien que ça parle pas d'ajout de rendement ou autre. Ça parle juste de préparer le lit de semence, moi, je veux bien... Bon. Hop, allez, on va donc finir de vider ça. Hop, normalement, la dernière remorque. Elle va être pleine celle-là, non, elle n'est pas pleine, c'est ce qui me semblait. Donc, hop, ça on vide. Après on transférera tout dans l'huilerie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ranger, on va éteindre la moissonneuse, aller ranger la moissonneuse. Et après on regardera ce que nous a rapporté cette récolte. Et puis après, on ira faire un petit tour au magasin parce que j'ai bien envie de vendre le bureur là. Et voir si je peux, en le vendant, acheter un chariot élévateur. Parce que vu que je vais pas. Vu que je vais transporter toutes les palettes à la main, enfin manuellement, quoi, je vais pas les livrer directement. Je vais pas faire de la vente automatique depuis l'usine, je vais vraiment transporter mes palettes. Je me dis que ça serait pas mal d'avoir un chariot élévateur, ça sera plus pratique qu'avec le chargeur avant. Parce qu'en fait, si vous vendez directement avec la
depuis l'usine, le problème c'est que vous perdez, je crois que c'est 30% du prix. Au final, sur l'année, vous perdez 30% du prix total que ce que vous auriez pu vendre si vous le vendez, bah, comme là, l'huile de colza au mois de décembre en fait. Bah, comme presque tout en fait, tout se vend beaucoup plus cher au mois de décembre. Donc, alors du coup, nous là, on a rapporté 44 368 litres de colza. Alors, c'est pas dégueulasse. C'est vraiment pas dégueu, j'aurais pensé quand même un peu plus. Malgré toutes les étapes de rendement, on a quand même. Après, les champs sont pas énormes. Donc, attendez, je me note ça dans un coin hein, pour la prochaine saison, voir si sont les rouleaux. C'est pareil, ou si on perd beaucoup de rendement avec les rouleaux. Mais je ne pense pas, parce que quand on regarde, voilà, si je regarde là, ils sont où les rouleaux? Là. Avec le rouleau, vous pouvez améliorer la qualité de la couche de sol supérieure de vos champs. Mais ça n'en dit pas plus, donc je ne sais pas vraiment à quoi il sert. Je ne sais pas si ça sert vraiment au niveau du rendement, si ça augmente le rendement, ou si ça sert juste à moins abîmer le semoir. Ça, j'arrive pas à savoir. Donc c'est pour ça que je veux faire le test, parce que si c'est vraiment une histoire d'usure, je pense qu'on les revendra. Donc là on va déplacer nos 44 000 litres de colza dans l'huilerie, histoire de lancer notre production, et on va avoir des palettes qui vont apparaître petit à petit là. La première devrait arriver assez vite puisque ben, je crois qu'elle. Ben non, elle pop toutes les heures, je crois. Donc, une fois que la production est lancée, elle pop toutes les heures. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Je sais que pour les serres, c'était comme ça. Il fallait attendre 1 heure avant que la première pop. Je sais pas si c'est pareil pour l'huilerie, mais je pense. Donc du coup, oui, ça va nous faire quand même 22 palettes de colza, d'huile de colza, donc c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'au prix le plus bas, si on les avait vendues, là, 22 palettes au prix le plus bas, on a vu que ça valait 1000 euros une palette, ça nous ferait déjà 22 000 euros. Donc je pense qu'au prix le plus haut, on va arriver à retomber sur nos pattes. On sera pas. On n'aura pas un bénéfice énorme, mais on aurait pu être dans le rouge. Et du coup, le bénéfice va monter au fur et à mesure qu'on va rembourser notre crédit de toute façon. Parce que je vous rappelle qu'on a 500 000 euros de crédit, donc au fur et à mesure qu'on va le rembourser, de toute façon, on va gagner de l'argent. Voilà, il va falloir que j'investisse aussi dans une benne plus grande hein, assez vite, parce que c'est vrai que là, les chargements, du coup, sont un peu longs. Ça prend son temps. Donc là, vous voyez, l'ouvrier est en train de broyer. Là, on n'a pas besoin de faire autre chose. Comme ça, il n'y aura pas besoin de ramasser de pierre. Parce que le broyeur ne lève pas de pierre, oui. Et dès le mois d'août, le mois prochain, on pourra semer. Donc ça, vous le verrez pas, enfin, vous le verrez, mais en accéléré, puisque je vais le faire en off. Et la reste des préparations du champ, vous le verrez en off. Hop. Après, s'il y a des joueurs Xbox qui sont intéressés pour venir faire la partie en multi, moi ça m'intéresse. Hein. Après, il faut être disponible aussi assez bien pendant mes heures de tournage. Enfin, après, bon, moi je suis souvent disponible, hein, donc
Et là, bientôt, ça va être surtout le soir. Donc, je pense qu'il y en a pas mal qui peuvent être disponibles le soir pour faire une petite partie. Mais c'est vrai que ça serait plus simple plutôt que de mettre l'ouvrier à chaque fois pendant que je veux faire autre chose. Si on pouvait être en multi, ça serait pas mal. Donc, s'il y en a que ça intéresse, ils ont qu'à m'envoyer un MP sur Discord. Et comme ça, il n'y aura pas de soucis. On se mettra ça au point et je pense que ça pourrait être sympa de la faire en multi. Bon, il nous reste encore pas mal de colza à transférer. Il est vraiment lent ce tracteur, c'est un truc de fou. Bon, là après, c'était juste pour voir combien ça allait me rapporter. Que je l'ai mis là-dedans. Après, prochainement, je pense qu'on le videra directement dans le. Dans l'huilerie, parce que l'huilerie a une, quand même une contenance assez importante, enfin il me semble. Je sais pas combien on peut mettre de colza en fait dedans. J'en ai aucune idée. Alors, si on regarde là, ça donne quoi au niveau de les. Ah oui, avec 29 000 litres, je suis même pas à la moitié. Donc je peux en mettre dedans, il n'y a pas de souci. Donc oui, la prochaine récolte, on la versera directement dedans. Et pour comparer, j'aurai juste à arrêter la production d'huile le temps que je vide le colza dedans, en fait. En fait, j'aurais dû faire ça pour celle-là, je sais pas pourquoi j'ai commencé. Ça aurait été bien plus simple. Ça m'aurait évité tous ces allers-retours en tracteur. En plus, il est lent, le bureur, je l'aime pas ce tracteur. Bon, ce que je vais faire, c'est que là, je vais décharger celle-là, puis après, on va aller au magasin. Je finirai de décharger tout ça en off. Là, on va aller voir au magasin combien est repris notre petit bureur et le prix d'un chariot élévateur, parce qu'au mois de décembre, on va avoir besoin d'un chariot élévateur pour pouvoir emmener toutes nos palettes. Parce que 22 palettes, il va falloir les charger, et avec le chargeur avant, c'est quand même beaucoup moins précis qu'avec le chariot élévateur, surtout que pour l'instant, les palettes sont encore un peu buggées. Donc, bon. Là, je vais pas les vendre en automatique. Donc voilà, ça va être indispensable de s'acheter un chariot élévateur. Après, il me semble que le petit électrique est pas très cher. Donc on va voir ça. Parce qu'au début, je l'avais pris, lui, il était là pour faire les transports, mais en fait, j'ai vu l'autre fois que même avec presque rien dedans, il galère comme un fou. Dès que ça monte, il a du mal. On voit qu'il a pas assez de puissance en fait. Donc ce tracteur me sert pas à grand chose à part à vider les bennes dans la ferme. Donc après j'ai aussi le Fendt qui peut servir pour ça. Donc j'ai jamais les deux autres tracteurs qui travaillent en même temps en règle générale. Hop, alors qu'est-ce que ça nous dit là? Valeur 24 863. Bon, on va le vendre hein, de toute façon. Voilà. Et on va aller voir là, du coup, notre chariot élévateur. Combien il va nous coûter? Ah, en fait, celui-là, l'électrique est plus cher. D'accord. Bah, du coup, on va prendre l'électrique. Hein. Du coup, on va prendre le Manitou, il est à 37 000. Ça nous laisse plus que 3 000 de marge. C'est juste un bébé. On l'achètera plus tard, je pense, hein, mais. Ouais, ça va être trop juste. Bon, donc, du coup. Moi, je vais finir en off de passer tout ça, là.
Moi, je vais finir tout ça en off. Ensuite, ben pareil, on va semer, je vais semer en off et ben on se retrouvera nous au prochain épisode, ce sera au mois de décembre. Hein. Dans le jeu, je parle aussi, ben, dans la vraie vie aussi, hein, mais voilà pour l'épisode 4. Donc sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Allez, ciao, bye bye!